Bande de geek, j'espère que vous allez bien. Ici Gardoum, et on se retrouve aujourd'hui pour présenter un jeu plateau. Alors, c'est pas quelque chose d'habituel que je fais, mais c'est un jeu qui m'a été envoyé et que j'ai testé, qui est vraiment fun. L'avantage, c'est que vous pouvez jouer au boulot. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait C'est au boulot, ce sera pause du midi, et c'est énorme parce que les games sont courtes. Ce jeu, c'est Titan Race. Alors déjà, hop, c'est mieux si on cache pas la mienne, déjà la boîte moi je la trouve cool. Bon ça c'est un petit détail évidemment, mais vous allez voir un petit peu les cartes à l'intérieur. Le but si vous voulez c'est un petit peu une espèce de Mario Kart sur plateau où vous allez avoir du coup différentes maps, hein, typiquement tac vous en avez 6. Donc euh, à chaque fois il y a deux côtés. Et sur chaque map, vous avez des petits bonus un petit peu différents. Sur la glace, évidemment, vous allez glisser de case en case. Sur la lave, vous pouvez prendre des dégâts. Euh, vous avez des choses comme ça. Ici, c'est des jumps. Bref, à chaque fois, ça change un petit peu vos déplacements et euh, le but du jeu légèrement. Donc le principe, c'est quoi C'est que vous allez avoir des petits personnages. Ils sont nombreux de 6. Alors, c'est ces petits jetons-là. Va je vais essayer de vous les montrer tout proche. Hein. Voilà. Ah, ça fait pas le zoom. Bon, je vous... on verra comment on pourra faire, mais... Il y en a six petits. Vous allez avoir un violet, un rouge, un bleu, un jaune et un vert et un marron. Alors bon, oui. on va me dire que je connais pas les couleurs. Quelle déception. Donc voilà, vous avez vos six personnages. Ils sont sur le plateau à la base et vous allez jeter les dés un par un. Alors c'est pas des dés habituels. Hein. Typiquement, c'est des dés. Voilà, hop, Vous allez avoir ça. Ça veut dire que vous avancez de deux cases. Ça, ça veut dire que vous avancez et que vous, vous allez en diagonale d'une case. Hein, un de chaque. Euh, dans l'ordre où vous voulez, vous allez avoir ceci qui va en diagonale de 3 cases, ceci, c'est au niveau du... C'est piège plus avancé, ça c'est... Non, ou ça c'est piège plus avancé, vous enlevez un piège. Ah, je ne sais plus, je crois que le rouge, c'est enlevé un piège, et ça c'est posé un piège. Et vous allez avoir ceci, alors ça typiquement, c'est vous choisissez euh, quel... Quel euh, dé vous allez jouer, mais vous perdez un HP. Sauf si vous avez bien évidemment le super petit personnage violet, alors c'est ça qui est classe, qui est celui-ci. Attention, ou Chtoulou, ou je sais pas. À chaque personnage, en fait, vous allez avoir une carte, évidemment. Ils sont bien plus classes sur les cartes qu'en petite figurine. Vous allez avoir Ragnarok. Vous allez avoir Slog. Et à chacun, évidemment, ils ont tous une compétence particulière à utiliser dans le jeu. Il y a aussi Grinder, qui est le vert, du coup. Vous allez avoir Racic. Et vous allez avoir Kraken. Alors, les compétences de chacun sont représentées par des cartes. Typiquement, donc, vous allez avoir évidemment des cartes magiques, plus ou moins, utilisées dans le jeu. Mais aussi, vraiment, c'est le côté. Euh, chaque personnage a une compétence particulière. Alors, alors. Toulou, c'est le drain de vie. Vous allez voler un HP à votre adversaire. Ça semble légitime. Waouh Vous allez avoir, évidemment, juste après Ragnarok. Donc, sa poigne. Vous déplacez un titan dans n'importe quelle direction, c'est à dire que le titan de case adjacente doit être collé à vous hein, sur la map et vous le, mettez, vous le reculez, vous l'avancez stratégiquement en fait le but comme c'est de faire des courses, plus vous avancez plus vous allez faire de tours et gagner mais s'il y a un piège devant ça peut être intéressant de mettre l'adversaire sur un piège ça, bras mécanique c'est pour échanger la position ça c'est poser un piège tout simplement et grinder et les pièges font des dégâts c'est assez insane le saut du raptor qui permet de sauter par dessus un adversaire c'est classique et le souffle qui fait des dégâts devant vous alors le jeu peut se jouer de deux 6 évidemment, comme vous en doutez, euh, à 2, vous jouez en fait chacun deux persos hein, histoire que ça bouge un petit peu, etc. Vous allez avoir quelques petites cartes magiques, hein, typiquement, c'est des petits spells qui font perdre des HP qui vous augmentent le déplacement, plein de choses comme ça. Tout l'intérêt du jeu en fait, ça va être de faire avancer vos cartes, de poser des pièges et de gagner la course avant vos adversaires. Hein. Comment gagner une course Typiquement, hop, on prend une map, euh, on va la prendre dans le bon sens, vous commencez à un coin, et le but c'est d'arriver en haut. Une fois que vous arrivez en haut, vous redescendez et vous faites trois tours comme ça. Comment est-ce que les tours sont représentés Vous allez me dire Ah, ah ça c'est une bonne question, une très bonne question. En fait, sur vos cartes, ici, comme vous voyez, il y a les HP. Qui sont au-dessus, hein, là, et vous avez juste en dessous le nombre de tours. Donc vous allez mettre des petits jetons sur vos HP, et vous pouvez aussi évidemment mourir, enfin vous ne mourrez pas exactement, vous êtes assommé, je ne sais pas si on le verra, c'est pas ouf. Mais vous voilà, avec ça vous pouvez gérer un peu, vous, avez, vous faites perdre d'HP à vos adversaires, vous perdez vos HP, une fois que vous avez perdu trop de HP, vous retrouvez stun, c'est un petit peu la galère, et évidemment, bon, vous essayez de mettre cher à vos adversaires. Typiquement, il faut vraiment voir ça comme un Mario Kart, hein. vous avez votre plateau, vous allez avoir votre personnage que vous faites avancer avec vos dés, à hein, chaque fois en diagonale, en ligne droite, des choses comme ça. Une fois que vous avez un tour, GGWLP, vous repartez, et le but c'est de faire trois tours. Le premier arrivé à trois tours à gagner évidemment. Pour ça, vous allez mettre, pour gêner vos adversaires, vous allez poser des pièges, vous allez envoyer des spells dans la tronche, vous allez les déplacer, vous allez les pousser. C'est un truc intéressant aussi, c'est ce qui s'appelle le carambolage dans le jeu. Typiquement, quand vous avez deux unités sur des cases adjacentes, Imaginons, je suis là, l'autre est devant moi. Si vous avancez dessus, en fait, vous allez pousser l'unité, elle va perdre des dégâts. Et s'il y a toute une ligne d'unités, enfin d'unités de joueurs, on va dire, de monstres, vous allez tous les pousser, ils vont tous prendre des dégâts, et c'est rigolo, mais ça crée plein de situations pas mal dans le jeu. Les games durent entre 15 et 20 minutes, hein, de, de ce qu'on a fait avec Lélé, c'est à peu près ça, 15-20 minutes. Ça joue rapidement, du coup, sur la pause du boulot, le midi, c'est vraiment sympa. Euh, je vais vous mettre ensuite, je vais essayer de vous montrer. Euh, en haut, un petit peu ce que ça pourrait donner dans une partie. On se retrouve tout de suite. Du coup, une game se déroule comme ça. Vous avez un personnage qui est posé, hein, typiquement. Comme vous voyez juste à côté, il y a un petit truc spécial sur ce niveau. C'est-à-dire que quand je vais passer dessus, je ne vais pas atterrir sur cette case-là, mais je vais la sauter pour atterrir là. Il y a plein de petits... de petits détails comme ça, selon les maps. Ah non, ça, c'est deux cases que je saute. Pardon, donc c'est ici que j'atterrirai même. Typiquement, vous jetez les dés. Il y a plusieurs dés. Une fois que vous avez jeté les dés, vous choisissez celui que vous voulez. Donc, hop, si on avait plusieurs, on aurait fait. Tac. On jette plusieurs dés. On prend celui qu'on veut, donc imaginons que je veux avancer trois fois en diagonale. On le met sur la petite case du perso avec le dé ici. Et j'avance trois fois en diagonale. Donc une fois, je saute jusqu'ici, évidemment, parce que c'est la map qui veut ça. Une deuxième fois, donc je ne peux plus avancer là à gauche normalement. Bon, je ne peux pas changer de direction. Donc je vais pop à droite. Tac deux fois. Et trois fois. Comme j'ai atterri sur une carte comme ça, je, je chope une, une petite carte magique. Hein, type, voilà, celle-ci par exemple. Ce qui me permet, quand je le souhaite, de poser un piège. Poser un piège, c'est quoi c'est tout simplement ceci. Je mets ce cas adjacent c'est tout ce qui est autour de moi. Donc je mettre le piège derrière, je mettre le piège devant, des choses comme ça. Et si à tout hasard, imaginons qu'il y avait quelqu'un ici, je peux lui poser le piège dessus et il perd un HP instantanément. On ne voit pas le piège sur la map. Vous avez plein de petits tricks comme ça. Le but, comme je dis, c'est d'arriver jusqu'au bout. Tac, vous faites trois fois le tour et là vous avez gagné. Ça va être un fight en fait de longue haleine avec vos adversaires vos alliés, ça dépend. Vous pouvez très bien faire des teams, mais euh, c'est assez rigolo à jouer, franchement. Et surtout, ça prend pas longtemps, les règles sont très simples. Vous avez aussi différents modes de jeu hein, qui sont expliqués dans le livre de règles. Le design est plutôt sympa. Franchement, pour moi, c'était une bonne découverte. Titan Race, vous l'aurez compris, c'est un petit jeu bien sympa, bien agréable à jouer avec quelques potes. Franchement... Je pense que ouais, pour moi, c'est un bon investissement. Après, je ne suis pas un gros joueur de jeux de plateau. Hein. J'ai commencé à y jouer voilà, depuis que je suis au boulot et que je joue à la pause midi avec euh, des amis. Donc, il euh, y a quelques jeux de cartes sympas. Et euh, celui-ci qui change complètement un petit peu, ce n'est pas, pas du pur 1v1 où ça va être je te jette un spell, des choses comme ça. Ça fait vraiment penser à un Mario Kart. Typiquement, vous voyez ça comme ça. Hein. C'est Mario Kart, mais sur plateau. Et Mario Kart, on le sait tous, c'est des retournements, c'est des trucs rigolos. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour délire entre potes en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire que je puisse faire d'autres tests de jeu il hein, y, y a beaucoup de possibilités à ce niveau là il euh, faudrait que je vois sur le long terme une fois que j'aurai du matos hein, parce que comme vous avez vu filmer avec la webcam c'est pas ouf mais euh, potentiellement sur le long terme pouvoir filmer des parties vraiment euh, avec plusieurs joueurs etc dans tous les cas n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine Tchou